Est-ce que vous savez que la Nouvelle-Calédonie se classe au troisième rang des pays de la région en termes de création de richesses par habitant, juste derrière l'Australie et la Nouvelle-Zélande? Eh bien, c'est grâce à notre économie performante dans l'industrie, le tourisme, l'innovation ou encore les services. Cette vitalité, nous la devons à nos richesses naturelles et au dynamisme de nos entreprises, mais aussi au soutien financier considérable que nous apporte la France. Je pense à la défiscalisation nationale, qui nous a permis de construire de nouveaux hôtels, produire de nouveaux logements, développer notre industrie de transformation et accompagner la réalisation de nos usines métallurgiques. Je pense au contrat de développement, indispensable à la réalisation de nos équipements publics. Je pense aux dotations financières de l'État, aux communes, aux provinces et à la Nouvelle-Calédonie, qui nous permettent de soutenir la commande publique, l'activité de nos entreprises et nos emplois. C'est en restant au sein de la République que nous pourrons poursuivre ce développement économique. Et c'est par le dialogue entre indépendantistes et non-indépendantistes que nous pourrons éviter un deuxième et un troisième référendum qui serait inévitablement source de tensions politiques et d'un attentisme économique catastrophique pour notre pays. Alors, pour continuer de construire notre pays en confiance, le 4 novembre, choisissons un avenir dans la France aux couleurs de la paix.